By the middle of the 21st century, having bled Earth dry, mankind was on the verge of collapse. Then a startling discovery was made. Beneath the sands of the earliest known human civilization, traces of another, even more ancient, but technologically advanced civilization are uncovered. The profound scientific implications of this discovery would lead humankind to the far reaches of the universe. Everything seemed perfect, but perfect never lasts. Without warning, the Earth was attacked by a chaotic horde of marauding aliens. Within 3 years, humankind was staring into the face of its own annihilation. In desperation, the world leaders turned to their last chance, an ancient artifact called the Time-Lock. They believed this relic from a long-forgotten race was a portal to a point in ancient history and their only chance for survival. If only they knew how to turn it on. Bon ben, allô tout le monde, c'est encore moins là. Non, comme vous avez pu là, voir, et malgré toutes les updates qu'il y a eu, là, et sous-titres en français, c'est des hiéroglyphes, là, donc what the fuck, là. Ben, ouais, pour résumer, l'humanité était pas mal dans la marde, là, puis quelqu'un ils ont trouvé la technologie syrienne, là, qui était ancienne mais très avancée, là. C'est ça, ça a emmené l'humanité au fin fond de l'univers, mais... Après quoi, il y a eu Mental et ses aliens, là, assoiffés de ça, là, qui ont presque anéanti l'humanité en à peine 3 ans, là. Puis là, les derniers humains qui restent, là, c'est ça, ils sont tournés vers le Time-Lock qui pourrait les ramener dans le passé, là, puis leur donner une chance de survivre, là, mais ils savent pas comment l'ouvrir, là. Donc, yeah, là, c'est pas mal ça l'histoire, là, jusqu'à date, là. Heureusement, les sous-titres, c'est seulement là, à l'intro que ça fait ça, mais encore, what the fuck, là. But yeah, Serious Sam 3 BFE, là, ou Before First Encounter, là, parce que c'est un prequel du premier jeu, là, qui prend place là, aux derniers instants, là, comme aux derniers jours, là, au pluriel, là, des humains contre les aliens, là, comme qui essayent de survivre, là, pas mal, là. Puis wow, j'aurais pu jouer à Serious Sam The Second Encounter, mais j'ai joué au 3e plus souvent là, que cet autre jeu-là, là, donc yeah, je préfère mieux jouer à ce jeu-là, là, c'est tout simple que ça, là. Second Encounter, ça ira peut-être une autre fois, là. But yeah, anyway, ok, on va jouer ce jeu-là en difficulté folie, là. Puis activer les éléments augmentés à puissance. Je sais pas là c'est quoi ça fait là parce qu'il n'y a pas de power-up dans ce jeu-là. Là, donc tant qu'à payer, enlevons-les pour avoir plus de points. Là. J'avais-tu autre chose à dire? Oh yeah, c'est en fait mon premier let's play que j'essaye avec mon nouvel ordinateur, là, mon gaming PC. Là, donc vous pouviez voir un néon en 1080p, yay! Mais l'affaire qui me dérangeait un peu, c'était le son là, de ma voix. Là. Non, je pense que j'ai le son, là, je l'ai, comme genre, je l'ai seté là, juste bien, là, du mieux que je peux au moins. Comme j'espère qu'on, parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'on m'entend un peu comme flou, comme on dirait que je fais une transmission de l'Antarctique. But yeah, j'espère que je l'ai bien seté. Approaching hot zone perimeter, switch to surface scanning. Surface scanning on. Activity nominal. What? No hospitality today? We have contact. 2 o'clock, closing in. Sit tight, we got company. Jesus Christ! I can't believe I'm out in the shit on my birthday. I'm supposed to be doing blow off a stripper's ass right now. Man, I hope you got me a good present, Stone. All right, Alpha. Listen up. Bravo team was protecting a scientist in one of the old museums in Cairo, but HQ lost contact around 0900 hours. Mental wants to fry the Earth, and we're protecting a museum? This guy thinks he can figure out how to power up the time-lock. Bullshit. Research don't kill aliens. Big guns do. Whatever. Time machine or no, Bravo's out there alone. We get in there, we recon Bravo, we go home. If everything goes tits up, the professor is our top priority. Are we clear? Clear as gnar shit. Rodriguez? Warning, warning, warning. We've got incoming. Take a base of action. Let's hope they can read a map. Yeah, bah. Ok, donc difficulté folie, tout comme dans le premier jeu. Yeah. Ouais. Ok, tout comme dans le premier jeu, les ennemis seront invisibles pour un certain laps de temps là, et ben, c'est ça là, c'est ça. Faut que tu te fies à la mémoire et au son là pour pouvoir te survivre là, pas mal là. Give me some skulls and one of these and it's a party. Moi, si j'avais vu mon autre let's play là, vous saurez à quoi ça a l'air, ce genre de défi là. Stone, it's Quinn. We picked up a mayday from Miller. Give me a sit rep. The chopper's Fubart. I ended up a few blocks away. I'm gonna rendezvous Alpha now. Stone, how many times do I have to tell you to wear your seatbelt? Eat me, Rodriguez. What's your 20? We're in front of the museum. You know, where we're supposed to be? Where the hell are you? Stay put. I'm on my way. Roger that. Bah. Et puis tout comme dans le premier jeu, je vais essayer de chercher tous les secrets, là, qui, je pense, ben, seront une nécessité, là, considérant les conditions, là. What are you looking at? Là, il réagit pas si tu le tires dessus. Là. Ouais, pis il y a ça et tout, là. Pas de protection. Tout le monde. Ils ont mal traduit, là, no cover all men. Comme tout homme, pas de couverture. J'ai dit à l'envers encore, là. This is getting serious. Ouais. Oh my god. Okay. Much better. Bon. But yeah, il y a tout plein de graffitis comme ça là, à travers le jeu. Là. Je vais essayer de toutes les scanner si je peux, là, comme si je les vois, là, du moins. Non, je dois dire, comparé au premier jeu, la melee, là, il est vraiment mis en avant, là. Ça m'inquiète un peu parce que, ouais, évidemment, je peux pas les voir, c'est pas comme si je peux y tirer dessus. Ah, mais tu reçois un pistolet, là, bien vite, là, mais... Je sais pas, ça veut dire que je suis plus proche des monstres, ça me fait peur. Parce que ça, je les entends pas tout le temps bien, là, parce que... Comme j'ai constaté l'autre jour, mes écouteurs, ils font encore défaut, là. C'est un autre set. Okay. Stone, come in. Where are you? Rodriguez, I told you, I'll be there in a minute. It's Jones. Rodriguez took... Oh, Jesus Christ! Oh, shit! Bon, ben, Sam doit être croqué en crisse en mangeant là, toutes ces pilules-là, là. Ok, j'ai des chaussures brunes, là, c'est ça que je choquais, là. Pourquoi ça importe là, que je check ces chaussures? Ouais, parce que j'ai pris des chaussures rouges qu'on n'a pas vues parce que Sam est capable d'étendre ses bras à travers les murs. Ben, yeah, il y a des chaussures rouges à cette heure. Smashing. Non, ça, c'est ça ce qui va se passer si le melee est plus en avant. Je manque mes shots. Ok. C'est que c'est ça. Moi. Je sais pas trop quoi dire là, pour le moment là. Excuse-moi là. Puis voilà une autre affaire que tu peux faire avec eux autres là. Tu peux leur arracher le cœur là. Ok. Mange de la merde, tiens. Et tu peux lancer des yeux et des cœurs sur les ennemis, c'est génial. Et je pense que t'as vu ça, mais je sais pas pourquoi les gnards, ils ont comme un œil là où qui est supposé être, puis un œil dans l'estomac, je sais pas pourquoi. Là. Je me suis pas mal débrouillé. J'étais presque tenté à frapper cette barrel rouge-là. Là. Et puis... Yeah, secret cours de gloire, là. Non, je ne sais pas exactement c'est qui ces types-là. Je pensais que c'était... juste les gens qui ont créé le jeu, mais après ça, j'ai vu ça. A-t-il la Soleil, ce que c'est l'homme qui a befriend, qui s'est allié avec les arachnoïdes. Dans Soleil, en fait, c'est un... c'est un modder qui est assez récurrent sur le Steam Workshop là, des Serious Sam. Là. Donc, j'étais... Puis j'étais pas mal surpris de le voir là, parce que j'ai vu une vidéo là. Comme quand j'étais Mr. Smith, Mr. Wesson, glad you could make it. Basically, Soleil, c'est un modder là, comme qui est récurrent, comme j'ai dit là. Et d'ailleurs, Soleil, il a même été engagé par Crow Team là, quelque temps. Je pense qu'il a tellement modé là que yeah, ils se sont dit, allez, on va l'engager tant qu'à faire. D'autres noms là, qui revient souvent là, sur le Steam Workshop, c'est Noam2000 et Biomechanoïd. J'ai pas choqué là, si je pouvais les... Comme... Je me suis pas donné à la peine de toutes lire les affiches, là, mais... Je vais croire qu'ils sont là. Hein. Allez, tiens. D'ailleurs, et tout. Yeah, je peux juste passer à travers les arbres pis ça là. Voyons mes écouteurs là. Je pensais qu'ils étaient à l'envers, mais au fin du compte ils marchaient bien là. Je sais pas c'est quoi ce qui se passe là. Ok, je le crains celle-là là, parce que clear. Ok. Shit. Ah et puis là, tac. C'est plus simple comme ça là. Moyen. Allez, tiens. Et non, je dois dire, c'est comme genre, ce jeu-là, là, je pense que j'ai déjà dit comment ce jeu-là, j'étais mix dessus, là. I mean, mix, c'était peut-être pas le bon mot que je cherchais à l'époque, là, mais... Mais ouais, c'était un jeu là, que, genre, lorsque j'y ai joué pour la première et deuxième fois, là, ce jeu-là m'avait laissé vraiment un goût amer, là, puis j'ai tombé sans le vouloir, yay. Donc, j'ai cru que je détestais le jeu là, pour 4 ans, là, mais lorsqu'en début 2018, j'ai décidé de lui donner une troisième et quatrième chance, là, ce jeu-là avait vraiment remonté dans mon estime, là. Je vais le dire pourquoi et comment là, dans le let's play, là, mais... D'ailleurs, okay, c'était ça que je cherchais. Là. Puis j'ai encore pestionné sur l'écran, là. D'ailleurs, en passant, il y a mon petit chien là, qui dort sur mes vêtements, puis il y a le chat qui ronfle, là. J'espère qu'on n'entend pas ça, là. Ben, yeah, Serious Sam 3, c'est un jeu là, que j'ai vraiment une drôle d'histoire avec, là. Mais il y a quand même, malgré là, que j'ai des problèmes avec ce jeu-là, il a quand même apporté là, pas mal d'innovations, là. Comme les melee finishers, là. Ah, put a sock in it. Uh-oh. Bon ben, énorme clin d'œil à Serious Sam 1. Hein? Et voilà donc une musique là, composée par Undercode, je pensais. Ils avaient fait là, des musiques là, pour Serious Sam The Second Encounter, puis ils sont revenus faire des musiques là, pour Serious Sam 3. C'est un groupe de rock, là, en passant, là. Mais ouais, là, ils étaient de retour, là, pour faire des musiques, là. C'est pas mal ça, là. Ben, yeah, comme vous aviez vu, là... Tout comme dans le premier jeu, là, malgré qu'ils sont invisibles, Netricsa, et pas Netricsa, comme j'arrêtais pas de dire, là, il peut voir lorsqu'un ennemi est dans ton champ de vision, là, en changeant la couleur de ton... Voyons, comment t'appelles ça en français, là? C'est comme ta visée, là, est blanche, devient vert, là, ce qui est... Il y a un ennemi en avant de toi, pas mal, là, donc c'est une manière de pouvoir voir un ennemi, là. Quinn, I've got a visual on the chopper. What's Alpha status? I lost contact. In pieces. God damn it. Any survivors? Negative. It's too hot out here to hang around. I'm heading inside to find Professor Stein. Copy that. Watch your six. That place is probably full of aliens. It's about to be full of dead aliens. Rien. Allez. Hein. Bon, yeah, lorsque la visée devient... change de couleur selon le nombre de vies qu'a l'ennemi. Bon, yeah, premier changement là, comparé au vieux Serious Sam, c'est que... Voyons, ils sont où? C'est que tu peux courir. Ça paraît tout à fait banal juste comme ça, mais ça te permet de te sauver là, des kamikazes qui sont derrière ton cul. Puis ça paraît peut-être un peu cheaté, là, mais tu peux pas faire aucune autre action là, durant. Ouais, je viens juste de remarquer, il y a encore le pistolet dans son étui à droite, là, comme sur sa jambe. Là. Malgré que j'ai pris le pistolet. Là, yeah, tu peux courir, puis la paix, c'est que ça aide là, pas mal dans les environnements, là, dans les plus gros environnements, là, comme ça te permet de, you know, passer à travers les zones vides, là, sans... qui n'ont pas d'ennemis. Donc je suis bien fan de... ok là. Bon ben ça m'a sauvé le cul là, encore sprinting. Bon, c'est toutes les kamikazes, là. Ben. Que je pense que c'était toutes les kamikazes, là. Des fois, le melee finisher, là, ça marche pas comme supposé, là. Des fois, il veut juste pas le faire, là. Regarde, pis derrière ça, c'est un autre ajout, les melee finishers, là. But, wait. I mean... Ce que je voulais dire avec le sprinting, c'est que... T'imagines pas le nombre de fois, comment des fois, j'aurais aimé pouvoir courir dans le vieux jeu, là. Dans les zones que j'ai anéanti tous les ennemis, là, ou essayer de passer à travers le désert, là. Je te dis, là, pouvoir courir, c'est une bénédiction, là. Mais il y a un autre ajout, c'est les melee finishers. Non, ça paraît juste comme genre, ah, oh, c'est juste gore, là, pis ça, mais... Ça t'aide à pouvoir garder pas mal de balles. Pis aussi, là, tu peux... Comme là, si t'as vu, lorsque j'ai accepté la difficulté, il y avait une option pour ajouter de la force sur les ennemis, là. Voyons, où c'est que j'allais avec ça? Ben, tu pouvais voir que je pouvais accruer là, la puissance des ennemis, et donc, ils ont plus de vie. Mais si tu veux pas, là, gaspiller là, comme 4 balles de shotgun ou quelque chose comme ça, là, tu peux toujours faire le melee finisher, là. Ça, j'ai trouvé que c'était pas mal sympa là, comme idée. Là, ça te permet de... Je sais pas, là, ça réduit un peu le skill gap. Je pense que c'est ça que je cherche. Bon, tiens, il y a des yeux à ce tour. Non, j'ai du tout. Yeah, ok. Bon ben, la fin c'est que c'est pas assez bien traduit, là. Jones, il rime avec Bones, qui est les sauts, là. Bon. Allez, viens t'atteindre. Et il y a quel beau comité d'accueil. Ah, tu sais, des pilules encore. C'est bon pour la santé, là. Oh, c'est pas mal le cas, là, mais tu vois ce que je veux en venir. Hein. Time to do a little research. Bon, ben, ouais, tuer tous les ennemis et... J'ai trouvé tous les secrets, par exemple, j'ai pris un peu trop de temps, apparemment, là, donc, moi, là... Bon, ouais, c'est tout pour le moment, donc, bye!